Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de mon frérot Maxou. Vous pouvez le rajouter sur Instagram. Aujourd'hui, il est avec nous pour la vidéo, il n'avait pas grand-chose à faire, donc il est présent. Aujourd'hui, ce qui va se passer, les gars, je prends, on va dire, mes précautions parce que j'ai reçu des messages d'une personne sur Instagram qui m'a harcelé sur Instagram, par mail, sur Facebook, de partout. Elle essaie d'avoir mon numéro de téléphone, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, cette personne m'a dit que si je lui répondais pas, au début, elle allait se foutre en l'air. Donc au début, j'ai pas trop pris au sérieux. Puis après, une fois que j'ai commencé à lui répondre, parce que je me suis dit, je vais avoir ma conscience tranquille, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à n'importe qui. Une fois que j'ai répondu, elle m'a dit oui, mais maintenant si on se voit pas, je vais me foutre ma vie en l'air. Donc maintenant, il arrive le jour J où je vais devoir voir cette personne qui à la base est un fan et qui veut mettre fin à ses jours si elle ne me rencontre pas. C'est pour ça que je suis resté avec Maxou, que j'ai fait appel à lui, parce que s'il y a quoi que ce soit dans la vidéo, au moins il pourrait intervenir avec le caméraman. Donc les amis, je vais rencontrer cette personne, mais ce qui me fait peur, c'est que c'est une personne qui a l'air instable psychologiquement. Aujourd'hui c'est le grand jour et Maxou va rester derrière la caméra et on va voir comment ça se passe. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Bon les gars, là je suis au lieu de rendez-vous, donc il devrait pas tarder à arriver. Ça m'étonne même qu'il soit pas en avance, vu comme il était enthousiaste. On attend encore 5 minutes, normalement il devrait être là. Il y a un mec arrivé qui me coupe tout l'heure, j'espère que c'est pas lui, putain, j'espère que c'est pas lui, j'espère que c'est pas lui. Comment je vais gérer ça, moi? Ah putain, ça va ou quoi? Oh là là là! Calme-toi! Pourquoi je pleure? Pleure pas! T'as pas ou quoi? Calme-toi, calme-toi, Covid et tout, vas-y. Vas-y frérot. Vas-y, récupère ça par terre, qu'est-ce que tu fais là? Tu pars un couille quoi? Ça va, tu vas bien? Je suis trop content de te voir. Ah. Je suis trop content. Bon, bah c'est... Tiens, je t'ai acheté ça, c'est pour toi. Bah merci, mais bon... Je suis en couple moi. Comment ça t'es en couple? Bah, je suis en couple. Ça fait 8 ans que je suis en couple. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que t'es en couple là? Je suis pas homosexuel, t'es homosexuel. Bah oui. Je suis homosexuel moi. Mais moi je vais te faire apprendre à aimer. Par contre j'aime pas ça, non. Écoute-moi, j'ai voulu te rencontrer parce que tu m'as dit que tu te foutrais en l'air tout ça. Bah oui. Donc maintenant c'est bon, tu vas pas te foutre en l'air. On est d'accord. Bah si on n'est pas ensemble et on fait pas certaines choses, oui je vais me foutre en l'air, ça tu le sais. Pardon, j'ai pas compris ce que tu dis. Si on fait pas certaines choses, je vais me foutre en l'air. Mais quoi certaines choses, je comprends pas, je crois que c'est du chantage là ce que tu fais. Non, c'est pas du chantage. Bah si. C'est pour notre bien. Mais notre bien de quoi? Je comprends pas. Quel bien? Bah pour notre bien pour nous deux. Thierry, tu as quel âge toi? 21 ans. Mais tu te rends compte, tu peux pas faire des trucs comme ça, Thierry, c'est pas possible. Bah si. Là, je viens de me déplacer, tu sais que j'habite un peu loin en plus. Mais je sais où tu habites, mais c'est, tu peux pas faire ça, gros. Bah si. Mais déjà, je suis en couple, en plus, je suis pas homosexuel, donc ça va être compliqué. Faut pas que tu fasses ça, Thierry. C'est pas mais tu sais, j'ai des photos de toi partout. Regarde, je vais te montrer un truc. J'ai fait des photos montage, genre que nous deux, on est en vacances et tout, à la plage. Regarde, regarde ça. Attends, attends, non, attends, s'il te plaît. Mais attends, non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais regarde. Non, mais ça va, je te crois, je te crois. Je te crois, je te crois, je te crois. Je te crois. Mais pourquoi tu fais ça? On est pas trop beau. Arrête. On est pas trop beau. Non. Ah, je vais pas pouvoir. Mais ça dans ta story, je te jure. Tu veux qu'on prenne une photo, je m'en vais. On prend une photo, si tu veux, on prend une photo, une vraie photo. On prend une photo? Oui, si tu veux. Arrête, arrête, arrête. Oh, arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Arrête. C'est bon, arrête. C'est pour la photo. Arrête, viens, on prend une photo, sinon je m'en vais. Vas-y, prends une photo normale, s'il te plaît, arrête de faire des trucs. Arrête! Oh là là. Non, je vais devoir y aller, je suis désolé, je peux pas rester. Non, tu restes ici. Non, tu restes ici. Je peux pas rester ici, qu'est-ce que tu racontes? Arrête! Conneries! Arrête! J'ai fait 4 heures de route pour venir te voir. Mais tu sais pas, en plus, j'ai plein de. Regarde ma chambre. Je t'ai pas montré ma chambre, regarde, j'ai plein de photos de toi, des posters de toi et tout. Que j'ai imprimé et tout, regarde. J'ai une photo de moi où tu fais genre que je suis torse nu alors que j'ai jamais été torse nu. Ah mais ça c'est un photomontage. Wow. C'est un prank, c'est une blague que tu es en train de me faire, tu as une caméra cachée? Bah non. Y a une caméra quelque part, c'est impossible. Bah non, y'a pas de... T'as un micro sur toi, t'as quelque chose? Bah non. T'as pas un micro sur toi? Bah vas-y. Arrête, 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 arrête chérie. Arrête chérie, s'il te plaît, arrête. Arrête, je vais le prendre mal, je te jure, je vais m'énerver. Mais non, je vais m'énerver. C'est une caméra cachée, mais non, c'est pas une caméra cachée, tu vois, je suis sérieux. Mais c'est tellement gros que je peux pas te croire que t'es sérieux en fait. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te prouve comment? Tu veux qu'on aille dans le coin et que. Je te demande si je suis sérieux, ça. Serre la main. Serre-moi la main. Tu veux, voilà, passe une bonne journée, frérot. Bah, non, moi, je m'arrache parce que je sais pas que ça a fait. Bah, non. Voilà, on s'est vu, on s'est vu. Mais non, c'est moi, c'est ce que tu voulais. Je vais t'inviter au restaurant, maman. Non, 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 c'est bon, laisse tomber. Elles sont pas bonnes, tes intentions. Vas-y, elles sont bonnes. Ta rose, offre-la à quelqu'un d'autre. Non, non, si, si, non, non. Tiens, offre-la. Non, offre ta rose à quelqu'un d'autre. Vraiment. Je t'ai sûr, tu veux partir. Si, 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 je suis obligé. Je suis désolé. Je pourrais faire. Non, s'il te plaît. Je suis pas parce que. C'est bon? Allez, merci. T'es sûr que tu veux partir? T'es sûr que tu veux briser mon cœur?
C'est quoi que tu as dans les mains? Je m'en fous, je veux pas savoir. Allez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oh, arrête tes conneries, s'il te plaît. Va-t'en. Mais pourquoi? Bah, arrête, ne pleure pas. Ta rose et tout, tu veux que je fasse quoi de plus en fait? Mais je comprends pas, tu veux que je fasse quoi de plus? Tu veux que je fasse quoi de plus? Les gars, vous pouvez venir s'il vous plaît? Ça, là, ça part en couille. Oh, oh, attends, ça va, arrête, prends pas ça. Attends, arrête. Écoute-moi. C'est quoi que tu prends? C'est quoi? C'est caché. Ça va, ok. Arrête. Les gars, il faut faire quelque chose. Hein. Tu veux le montrer à la caméra? Regarde. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Non. Arrête, mais t'as mal. Mais gros, il prend des somnifères, c'est somnifères. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. T'en as pris déjà 5 ou 6? Arrête. Non, mais sérieux, les gars. Qu'est-ce que je fasse, gros? Regarde, je le prends pas. Non, mais. Ah, frère, qu'est-ce que je fais, moi? Mais gros, il s'est avalé une boîte entière. Voilà. Tu as voulu me briser le cœur. Tu as un mort sur ta conscience. Il va pas bien. Il sent pas bien. Mais tu te rends compte ce que tu fais? Je sens pas bien. Il est bizarre. Faut que tu vomisses. Faut que tu vomisses, vomis. Mais toi, des doigts dans la bouche, faut que tu vomisses, gros. Mais combien tu en as pris là? Mets-moi un doigt dans la bouche, faut que je vomisse. Elle est fou, elle fait un truc, gros. Rien, gros. Écoute, Thierry, tu peux pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie? Mais en plus, regarde, tu es filmé, tu es avec la meuf, tu es pas content? Mais non, mais arrête ta caméra, ça nous concerne qu'à nous deux. Thierry, tu as pris combien de médicaments? C'est quoi? C'est somnifère vraiment? Oui, maintenant je vais crever. T'appelles les pompiers, on fait quoi là? Parce que là c'est une urgence, frérot, ouais. Il a pris pour de bon. C'est chaud. C'est des vrais somnifères que t'as pris, Thierry, ou c'est n'importe quoi encore? Bah, c'est gaz. Frère, c'était pas des smarties, frérot, on l'a vu à la caméra. Des gélules, je sais même pas ce que c'est, frère. Bah oui, c'est des somnifères. C'est grave. Tout ça, parce que tu m'as brisé le cœur. Non mais gros, tu t'es brisé le cœur tout seul, par contre, faut pas se faire d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? T'es content? On fait quoi? On se met en couple. Non, je peux pas. Je peux pas. Tu vas mourir pour rien, c'est con. Ouais, je me sens pas bien. Mais c'est normal. T'as tous les somnifères que t'as pris? Je me sens pas bien. Mais vomis, faut que tu vomisses. Oui, faut que tu vomisses. Tu sais qu'un somnifère, ça fait faire 20 minutes, frère. Ouais. S'il en a pris une dizaine. Il est dans la bouche, il est plus qu'une dizaine. Bah, je vais essayer de me lever. Mmh. Là, ça. Mais il m'a dit que c'était des somnifères, mais je sais pas. Je connais un peu les noces. Ah, je sais pas, j'en sais rien. La boîte elle est blanche, je sais pas ce qu'il a fait. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Tiens, gros, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Je m'allonge, je me sens pas bien. Mais c'est normal. Tu crois? Thierry? Thierry? Les gars, tu fais esprit, Thierry? Tu fais esprit ou pas? C'est une blague ou pas? C'est quoi? C'est une caméra cachée, les gars? C'est pas possible, on nous fait un prank, c'est obligé. J'ai vu personne aux alentours, tu sais que moi quand je. Y'a personne? Ah, je vérifie tout, frérot, je vois rien. Thierry, réveille-toi. Thierry! Non, les gars, allez hop, faut l'amener. Un truc, ouais. Prends ça, tiens ça. Le temps qu'on appelle les pompiers, c'est mort. Prends-le en poids avec moi. Non, on l'amène aux pompiers, s'il vous plaît. C'est nous qui on va l'amener, ouais. Il tremble, frère. Il tremble. Allez, pour devant, frère. Putain, il est lourd. Vas-y, on l'amène. Moi, je filme, au cas où il y a un problème, on a l'épreuve pour la sauver. Ouvre la voiture, s'il te plaît, l'aider. Vas-y, passe des pieds. Va à l'autre côté, s'il te plaît. Il est tarpé lourd. Vas-y. En gros, il répond plus. Regarde, tu montes derrière, je conduis, tu me dis s'il a un pouls ou quoi. Ah oh, putain, me dis pas que ça va m'arriver à moi. Putain, pas à moi. Il a vraiment pris des cachets, c'était pas des blagues. Hein. Mais non, frérot, c'est malade. Essaye de le réveiller, frérot. Allô? Il bouge. Il tremble. Il bouge ou pas? Tremble, gros. Le D? Ouais. Dis-moi. C'est où l'hôpital le plus proche là? Frère, c'est Clerval, frérot. Clerval? Ouais. Comment il s'appelle? C'est 5 minutes. Thierry. Thierry! Oh, Thierry! T'as, au début c'était rigolo, mais là ça prend une autre tournure, les gars. C'est pas rigolo du tout. On va à Clerval et on va l'amener à l'hôpital, gros. Y'a que ça à faire. Hein. Si j'appelle les pompiers, le temps qu'on appelle les pompiers et qu'ils viennent, non, on va perdre plus de temps. Eh oui, eh oui. Bah, les gars, je coupe de toute façon là, si ça sert à rien. Ça sert à rien, vas-y. On reprend après. Mais il respire ou pas? Bout de tarpin, non. Comme tout à l'heure ou pire? Il est tarpin, je sais pas si c'est comme tout à l'heure, mais c'est tarpin, non. Mais ça va, là, on y est, gros. On est arrivé, là. Je tiens bon. Allez, on arrive. Allez, on y est. C'est où? Ouais, c'est en bas. Je crois que c'est en bas. Ouais. Faut que je trouve une place et que je me garde vite. Mais c'est pas handicapé, c'est pas grave. Les handicapés, ils comprendront. Allez. Vas-y, le D, tu nous filmes tant que tu peux. Si j'ai besoin de toi, arrête de filmer. Par contre, va de l'autre côté, frère, vas-y. Go. Vas-y. Vas-y, aide-moi. Ouais, putain. Vas-y. Vas-y.
Mais on y va, le dé, il faut que tu nous aides parce que j'ai un peu. Là c'est il est tard pour nous. Vas-y, vas-y, coupe. Bon voilà les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. C'était n'importe quoi, je m'attendais pas du tout à ça. Heureusement que, vous voyez, quand je dis qu'il me faut du monde avec moi, heureusement qu'il y avait Maxou parce que seul avec le dé, on aurait pas pu. Enfin, on aurait pu le prendre, mais on n'aurait pas filmé. Donc du coup, merci au frérot Maxou. Ouais. Rajoutez-le sur Instagram, son Insta s'affiche juste en dessous. On vous donnera des nouvelles sur mon Instagram. Donc si vous voulez avoir des nouvelles de Thierry, ben là, il est actuellement à l'hôpital, on n'a pas de nouvelles. Ça fait même pas une heure qu'on l'a déposé. J'ai laissé mon numéro. Si vous voulez savoir un peu ce qui s'est passé, comment il va, sa santé, tout ça, vous me rajoutez sur Instagram. Il s'affiche juste en bas, Camoff officiel. Et vous verrez que je mettrai des nouvelles en story pour vous tenir un peu au courant de l'état de santé de Thierry. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle caméra cachée, expérience sociale, prank, enfin on voit. Là en l'occurrence c'était pas trop ni l'un ni l'autre, mais c'était quand même chaud et heureusement qu'on a filmé tout ça. Voilà. Faites attention à qui vous rencontrez sur internet. Vous voyez qu'on peut toujours tomber sur des gens pas forcément malveillants, mais des gens qui sont pas trop tranquilles dans leur tête. C'est pour ça que j'évite de voir des gens, parce que j'ai pas envie à chaque fois d'avoir des problèmes comme ça. Mais voilà, si un jour ça vous arrive, vous savez que ça peut dégénérer. Donc on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Camoff, je vous dis à bientôt. Ciao.